Coucou la famille, bienvenue sur Douceur de Felora, en espérant que vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose une recette de génoise tout chocolat, qui peut vous servir à réaliser toutes sortes de layer cake et gâteaux. C'est parti pour la recette! Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On commence par préchauffer le four à 180 degrés et enchemise le fond d'un moule de 15 cm de diamètre de papier cuisson. Dans le bol du robot, on met les œufs et le sucre. On fouette à vitesse moyenne durant une bonne minute. Et on ajoute le sucre brun. On continue de fouetter jusqu'à blanchiment complet. La préparation doit tripler de volume. On tamise ensuite au-dessus de notre préparation la farine. On mélange à l'aide du fouet. On y va très délicatement pour ne pas casser nos bulles d'air. On ajoute la maïzena. On continue de mélanger délicatement. Toujours au-dessus du tamis, on ajoute le cacao et la levure. On continue d'incorporer délicatement. Et on termine par le beurre fondu. Dès que tout est bien incorporé, on coule notre préparation dans le moule et on met à cuire pendant 25 à 30 minutes. À la sortie du four, on laisse complètement refroidir dans le moule, puis on démoule. Si vous l'utilisez que le lendemain, vous pouvez la conserver à température ambiante dans du film alimentaire pour éviter qu'elle se dessèche et garder son moelleux. Cette génoise est assez haute pour pouvoir la découper en 3 parties minimum. Vraiment moelleuse à souhait. Avec cette génoise, vous pouvez réaliser toutes sortes de layer cakes et gâteaux, genre fort et noir, que vous pourrez voir dans ma prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires et laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez cette recette sur mon groupe Facebook, n'hésitez pas à y partager vos photos si vous la testez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en activant la petite cloche, je vous dis à très vite et vous fais des bisous.